Non mais oh. Et bien salut à tous, c'est Skizo. On se retrouve pour l'épisode 2 devant notre joli Fiat. Et nous avons ramassé une vache dans le dernier épisode. Nous sommes toujours avec Twitch bien sûr. Et nous avons repéré le champ 37. Le 37 qui nous permettra tout simplement de récolter du blé. Parce qu'il est... il est en ce moment actif. Il est en récolte, pardon. Il est en récoltable. Donc du coup on va aller chercher ça. Parce qu'en plus le blé, j'ai une mission VIP. Qui est de aller livrer 19 000 litres de blé pour 26 000 euros. Ce qui peut être pas dégueulasse. Qui pourrait être assez sympathique. Le seul problème c'est qu'il va falloir que je loue une moissonneuse. Donc on va se servir un peu des mods. On va prendre la moissonneuse la moins chère qu'on avait parmi ceux que les viewers nous avaient promis. Donc la Dominator. Qui pourrait être pas dégueu. Hop. Oui. Voilà. Et on va la prendre en combinaison location. Barre de coupe. Et barre de coupe, barre de coupe, barre de coupe. Putain, je peux mettre n'importe quelle barre de coupe dessus. Ah ouais, y a pas sa barre de coupe classe. Ah si. Ça c'est une 5m1. Je pense que ça sera largement suffisant pour partir là-dessus. Option 1, louer. Oui. Ce qui nous coûtera pas si cher en location. Ce qui nous coûtera vraiment pas si cher. On est passé par les starting blocks pour... Ah oui, j'ai oublié de... Ah ben lui, il est fini, lui. Lui, il est fini. Et merci pour le follow. Du coup, on hop, obtient la mission. Ce sera impeccable. Et on va récupérer notre petite moissonneuse. Et on va partir gentiment attaquer ça. Ah non, c'est merci le gamer pour les 1000 bits. Le gamer qui a offert 1000 bits. C'est incroyable, incroyable. Du coup, ça lui fait un petit ballon, les 1000 bits. Et oui, pour ceux qui n'auraient pas vu, on était en sub-bâton. On est toujours en sub-bâton, tout le mois de mai. Et du coup, 1000 bits, je sais que j'ai un doute dans ma connerie, mais je suis désolé, hein. J'ai eu un petit doute dans ma tête, mais 1000 bits si je me rappelle bien, ah non c'est un ballon dédicacé, non c'est un ballon dédicacé, donc il va falloir que je gonfle un ballon pour le gamer normand, voilà. Donc vous aussi, si vous voulez me faire gonfler des ballons, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Tous les mardis, vendredis et dimanches, normalement. Après event, vous êtes au courant, bien sûr, de ce qu'on fait. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a la pub qui passe quand vous voyez que je suis là. Si vous voulez venir, c'est tout le mois de mai que ça se passe. Il y a plein de cartes cadeaux. On est déjà à 500 euros de cartes cadeaux gagnées. Donc n'hésitez pas non plus à venir passer. Et à venir gagner votre petite carte cadeau. Parce qu'il y a encore plein de paliers à faire péter. Et il y a encore plein de paliers où on gagnera de l'argent pour vous. Voilà, j'accroche mon petit ballon gentiment. Ça va pas être dégueulasse. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va gentiment marquer le gamer. Le gamer. Hop là. Normand, c'est ça? Ouais. Normand. Voilà. Tac. Et on va venir l'accrocher au ballon qui soit avec les copains. Voilà. On va venir l'accrocher par là. Arrête, parfait. Tac. Le but du jeu, c'est de remplir la pièce en fin de mois. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'on remplisse toute la pièce en fin de mois. Bienvenue avec nous, le gamer. GG à toi. Et on va aller partir pour la moisson. Let's go. Alors il faut que j'arrive à attacher par contre la barre de coupe. Oh, je sais même pas si je peux rouler avec la barre de coupe là. Il va jouer à la hamster celui-là. Je sais pas. Bonjour Vankipette. C'est bon, tu as fini de gonfler des ballons? Oui, je vais commencer à jouer. Oui, j'ai commencé à jouer. J'ai fini de gonfler les ballons. Oui, on a quelques jours de retard sur la carrière, mais c'est pas de ma faute. C'est vraiment pas de ma faute en plus. Hop là, classe. Hop là, voilà. Alors est-ce que je vais pouvoir aller dans le champ? Là, on est dans le champ 4. Je suis pas sûr que je passe sans la barre de remorquage. On va essayer, mais j'y crois pas trop. T'sais. Hop. On va se faire en vue d'intérieur. En vue d'intérieur, elle est beaucoup plus insonorisée. Hein. Elle fait beaucoup moins de bruit. Putain, elle est belle en vue d'intérieur. Elle marche. Elle a l'air de bien marcher. Hein. Hop, là, on est au volant. Et on est sur le champ combien? Champ 30... 37. Ah, j'aurais peut-être dû partir de l'autre sens, non? Ouais, on va essayer, mais c'est pas gagné, là.
Félicitations à toi, top ta chaîne. Merci beaucoup, merci, merci, merci énormément. Faut pas hésiter si vous voulez participer. Oh, le train de la hype. Et René qui relance 2000 bits. Et le train de la hype qui a deux doigts de démarrer. Merci énormément. Donc René va avoir son petit ballon. Pendant que je vais faire la route, je vais gonfler le ballon. Je vais tester du moins. On va essayer. Attends, j'ai perdu la mini carte parce que je connais pas la carte par cœur. Donc je suis même pas sûr que je passe partout là. S'il vous plaît. Voilà, merci. On va gonfler le ballon. J'ai tapé, chef. J'ai tapé quoi? J'ai tapé l'arbre. C'est l'arbre à droite ou l'arbre à gauche? Oh, je vais terminer dans l'eau. Je vais terminer dans l'eau. Je vais terminer dans l'eau. Non, c'est bon. Je me suis sauvé. Putain, j'ai eu peur. Oh, les panneaux sont en collision. Mais ça va être une horreur pour ramener ça. J'aurais dû prendre une barre de coupe. J'aurais dû prendre une barre de coupe. Oh là là. Et normalement, quand je suis en voiture, j'arrive à rouler une clope et rouler en même temps. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que mes genoux touchent pas le volant. Non, mes genoux touchent pas le volant, je suis trop loin. Je suis beaucoup trop loin pour toucher le volant. Oh, je pourrais pas passer en ville. C'est impossible que je parle en ville, là. Oh là là, je vais jamais passer en ville. Le patron est bourré. T'es tout seul sur la carrière? Oui. A pas besoin de plus. Tout seul, c'est bon. Ah, le tram de la hype qui ne démarrera pas, malheureusement. Loupé. Ah. Alors attendez, je suis en train de faire un nœud au ballon, hein, parce que je fais un peu tout en même temps. Comment je peux passer là? Est-ce qu'il y a un raccourci? Est-ce que je peux passer par le champ derrière là? Non, je pourrais pas passer par là. Passe par les champs. Non, je pense pas que je pourrais passer. Hein. Je vais essayer de passer par derrière, mais j'y crois pas trop. Tu sais. J'y crois vraiment pas trop. Fais voir. Peut-être par là. J'y crois pas. Franchement, ça m'étonnerait. Oh, une vache! Oh, j'ai trouvé une vache! On n'est pas venu là pour rien, malgré que je pourrais pas passer. Attendez, il y a une vache. J'ai trouvé une vache, les copains. Là, il reste 8 à trouver. Bon, on n'est pas venu là pour rien. Malheureusement, je peux pas passer là. Là, je suis emmerdé, là. Je suis emmerdé, là. C'est la route. Va falloir appeler du renfort, là, parce que là, ça va être compliqué, tu sais. Avec ça en ville, va y avoir pronostic vital engagé. Ah ouais, bah là... Bah là ça va être plus que pronostic vital engagé, là ça va être la merde je crois. Ça va être grave la merde. Ça va être dangereux de passer avec ça. Pourtant il est pas large 5 mètres. René, bougez pas, je marque René. René sans chagrin. René sans chagrin. Sans chagrin. Merci René. Le petit ballon, il est là. Hop là. Il viendra se faire accrocher en off. Gentiment avec les copains. Hop. Et nous, on essaye de repasser une barre. Je vais essayer de passer tout droit. Tant pis, je vais couper les champs, mais c'est pas cool. Les routes sont à moins de 5 mètres. Ouais, je pense que les routes sont à moins de 5 mètres. Ça, c'est sûr. Pour aller jusqu'au champ 37, je peux pas passer par la ville, quoi. Donc, je suis obligé de couper par les champs. C'est pas très RP, hein. J'avais dit que je voulais une carrière RP, mais là... Voilà, tu vas me dire, je roule dans la luzerne. Donc, c'est pas si dégueulasse que ça, mais... Là, le maïs, tu vois, normalement, je suis censé... Oh, putain, avec la circulation et tout, en plus, je vais la dégommer, la circule, tu sais. Là, on va aller par là, hein. Tant pis, hein. Désolé. Hein. Désolé, je suis désolé. Je suis obligé de couper parce que j'ai pas anticipé. J'aurais dû me prendre légèrement une petite... Une petite barre de transport. Voilà. Ça aurait été moins chiant pour moi. Mais la prochaine fois, je le serai. La ville, très difficile de passer avec le matériel. Donc on va essayer de ne pas passer avec le matériel en ville. Voilà. On va essayer de rouler tranquille. Mais on est arrivé au champ 37. Champ 37. Mesdames, messieurs, c'est un miracle que je sois encore arrivé là. Il y a une barrière ici, hein. Il est où l'entrée? Il est là, l'entrée du champ. Ah là! On va déplier. Hop! Tac, BV. Et c'est parti, mon kiki! Les routes sont toutes petites. Ouais, j'avoue que les routes sont toutes petites, quoi. Hop! Et c'est parti pour la moisson! Eh, ça va, hein. Elle est pas si dégueulasse que ça, la petite moissonneuse. Hein. Franchement, j'aime bien. Moisson RP, mon copain, regarde. On n'est pas dégueulasse, là, franchement. Même plutôt bien. Hop. Alors, est-ce qu'elle fait de la paille derrière? Non. Je peux pas faire activer la coupe en andin. Est-ce qu'on fait de la paille ou pas, les gars?
Ça serait bien de faire de la paille tout de suite, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais on n'aura pas de presse tout de suite, hein. Je pense que sur le premier, on va pas faire de paille, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, j'hésite. Ouais, c'est un bénef. Allez, je prends la paille. Je prends la paille. On verra bien, on se démerdera avec. Je pense que on verra. On verra. Soit je la mangerai avec le... Comment ça s'appelle? Avec une auto-chargeuse. N'oublie pas qu'on a tous les DLC, donc il faut voir si on peut s'en sortir avec tous les DLC. Ça pourrait être pas dégueulasse. Ça pourrait être vraiment pas dégueulasse d'essayer de s'en sortir avec tous les DLC. Et de dire qu'on puisse manger gentiment le truc, quoi. Alors là, je vais faire semi-RP, entre guillemets, parce que là, je suis en train de manger le truc, normalement. Hop. Et on tourne. Par contre, le kiff au volant, quoi. Le volant, c'est vraiment kiffant sur Farming. Je vous le conseille, si vous n'avez pas le volant encore sur Farming, putain, moi... Moi, comment dire, je l'avais pas avant, je l'ai maintenant, bah, je trouve ça plaisant, hein, de ouf, hein. Ah, par contre, les champs, ils sont à ras de la barrière, quoi. Ah oui. Ouh, c'est un peu juste, c'est un peu limite, là. C'est un peu limite, chef, la barrière, elle est un peu juste, là. T'as le champ 37, j'ai pas pris un champ très très facile, là. Ouais, je peux pas tout faire, en plus, t'as vu. Incroyable. Je vais pas pouvoir tout faire, hein. Je vais en oublier des bouts, c'est sûr. Il va falloir que... Là, ça passera pas. Si, ça passe, là. Oh, c'était miracle. J'ai dû en oublier des bouts, hein. On en reviendra dessus. Je vais faire un détourage. Ah, la branche d'arbre qui m'emmerde. Va falloir couper ça, là. On va appeler les bûcherons de l'extrême, là, parce que ils m'emmerdent, là, les trucs, tu sais. Ramassage en vrac pour le début, ouais. Ouais, je pense que ça sera pas dégueulasse, ce ramassage en vrac. En vrac, pardon. En vrap. Ramassage en vrap. Vous connaissez pas le ramassage en vrap? Ah, la barrière. Oh, les champs, ils sont durs quand même. Les champs sont très durs. Hein. Il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Moi, je t'aurais mis, j'aurais mis un peu plus de marche quand même sur les champs. Après, j'avoue que... Ah, on s'était pas dit si on faisait le mode saison ou pas au démarrage. C'est vrai que j'ai laissé activer, je crois, le mode saison. Mais je me demandais si on le désactivait pas, le mode saison. Parce que je crois que ça bug avec la luzerne qu'on m'avait dit, non? C'est pas ça que ça avait... ça buguait avec la luzerne? Je crois qu'on avait un truc comme ça, que ça c'était censé bugger avec la luzerne. Je suis pas sûr, mais je crois que c'en était, quoi. On a le précision d'activer, par contre, ça c'est sûr. Je crois qu'on avait mis. Et je crois qu'il va falloir qu'on désactive, ouais. Retire-le, ouais. Ouais, je pense qu'il va falloir que je le désactive. Par contre, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on est qu'à 2426 litres. Et je suis censé avoir 19000 litres. Et il faut que je nourrisse mes poules en face, là, tu vois. Donc je suis un peu inquiet parce que je me dis qu'il y a de fortes chances que en fait j'aurai jamais assez de grains pour mes copines les poules là. Et la mission qu'on doit faire là. Parce que là je suis à 50%. Bon, j'ai pas ramené la remorque non plus, il va falloir que je ramène la remorque. Ça va être compliqué aussi, ça. Et on va enlever le mode mission. Hein. Le mode saison, pardon. Mode mission. Le mode saison. Hop là. Difficulté. Présence sur une alière. Non. Sauvegarder. Voilà, comme ça sera fait. T'sais. Le précision, il est pas dans, il est pas sur la partie. Il est pas sur la partie de précision là. J'ai pas mis le précision sur la partie. Je suis étonné. Pourquoi j'aurais pas mis le précision? J'ai un doute quand même. Bah s'il y est pas, je vais le rajouter, hein, parce qu'il devrait y être. Hein. C'est pas grave, hein, au prochain épisode, je le rajouterai. Hein. Et coucou Polo, hein. Comment tu vas Polo? La forme? Comment Eva mon petit Polo? Est-ce que c'est la forme? On va pouvoir faire des grandes lignes maintenant que j'ai fait le détourage. Malheureusement, on a quelques branches qui vont nous emmerder. Il va nous falloir un véhicule quand même, tu sais. Ouvre la map pour voir. Non, il a raison. Il a raison parce que sinon j'aurais le logo du radar là. Et je l'ai pas. Je l'ai pas, il a raison. Ah bah tant pis, tu sais. Et tant pis. Il va falloir que je le rajoute, je l'ai zappé. On a zappé le précision. Voilà, pas grave, c'est les choses qui arrivent. Gentiment. En attendant, la récolte est à 3500 litres et nous sommes à 67% de la trimie. Ce qui n'est pas dégueulasse, mais ce qui ne va pas nous faire avancer des masses. Parce qu'il nous faudrait 19000 litres, donc il nous faudrait un autre champ de blé. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas d'autre champ de blé de disponible, là, tout de suite. C'est dommage parce qu'on pourrait gagner quand même un gros billet, là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on livre la mission, 26000 d'un coup pour un champ, c'est pas dégueulasse. Hein. Là, on est qu'à 3851 litres.
Je sais pas si on a du blé ailleurs, mais j'y crois pas. Parce que je crois qu'on avait pas de blé ailleurs. Oh, on a même pas de silo en plus, je suis en train de penser. On a même pas de silo, tu sais. Achat et revend les champs. Non. Moi non, une fois qu'on a un champ, on va le garder, le champ, on va le préparer. Va falloir qu'on s'habitue à le préparer, tu sais. Bah, je vais acheter. Je suis pas loin de la ferme. Hein. Le 37 était pas dégueulasse. Parce que je suis vraiment pas très loin de la ferme. Et puis, comment dire. Ça va bien. Regardez. Avec la petite classe là. La petite Maxi, franchement. Pas dégueulasse. La Dominator. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Direct au pool. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. On va balancer direct au pool. Hein. Ça pourrait être pas dégueulasse. Hein. Direct au pool. Comme ça, les poules, elles auront à ma mam. Si on avance le temps. On va pouvoir récolter quelques œufs. Et peut-être que novembre-décembre, on aura déjà un début de culture pas dégueulasse. Même si j'ai pas 360 poules. Hein. J'en ai un peu moins, quoi. Faut que j'achète de l'acide sulfurique aussi. Sulfurique. Pour avoir de l'engrais derrière. Le but du jeu, c'est d'avoir de l'engrais rapidement, quand même. Histoire de pouvoir gentiment pouvoir passer l'engrais gratuitement. Ça pourrait être sympa. Surtout qu'on va devoir changer le type de façon de passer de l'engrais. Donc c'est là où je vais peut-être prendre le précision, ça c'est sûr. Mais je vais prendre le JD spécial précision. Qui pourrait être pas dégueulasse. Qui pourrait être même très bien, je pense, pour le démarrage. Qui nous permettra de servir de l'engrais liquide et en même temps du désherbant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être bien. Et achète le distributeur. Quel distributeur? Distributeur habillé. Il y a un distributeur dedans où je dois gagner de l'argent, c'est ça? Vas-y, dis-moi tout, mon petit Julien. Quel distributeur tu veux que j'achète? Ah, pour la revente pour les poules, les œufs. On est presque à la fin. Là. Va falloir aller chercher... Est-ce que je vais finir? Non, je suis à la fin. Hop là, on va aller chercher du coup le Fiat. Hop, et on est juste derrière, vous voyez, on n'est pas si loin que ça. Hein. Et achète le distributeur en point de vente. En point de vente? Et ça va m'aider en quoi d'avoir un nouveau distributeur? Bonjour. De vendre plus cher, c'est ça? Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, comment on passe sur cette map pour aller plus vite, là? Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller par là, par la droite, je pense, quelque part, à un moment donné. Comment tu vas, Michel? La forme? Petit Fiat. Petit Fiat et son bruit énorme. Là par contre ici va falloir faire gaffe hein. Là je suis dans le champ donc c'est pas là. Va falloir passer par là. Sera en rediff sur YouTube? Oui. Il y aura des épisodes sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis accroché dans quoi là? Ah c'est les arbres là. Putain, il va falloir faire des lagages là les copains parce que... Attends je passe pas à cause des arbres là. On va s'acheter une tronçonneuse, moi je te le dis. Dans pas longtemps, on a une tronçonneuse qui a acheté. Si j'arrive pas à passer avec un tracteur et une remorque, c'est pas gagné quand même. Ah oui, ça touche. Ça touche. Ça va être chaud. Ça va être chaud, il va falloir faire des lagages. On va devoir s'acheter une tronçonneuse, je pense qu'on va commencer. Il faudra une tronçonneuse et... Putain, mais les routes, elles sont petites. Comment je passe ici, moi, avec la double essieu, là? C'est impossible. Je suis obligé de continuer tout droit, hein. On va prendre la grande route, hein. Tant pis. Hein. C'est ingérable, hein. Je peux pas passer. Oh putain, et les arbres, par contre, ils sont chiants. On va passer par la grande route, hein. Tant pis. Hein. On va faire le tour. On était à côté, mais en fait, on était pas si à côté que ça. Il va falloir refaire des routes, tu sais. Tu as pris trop gros. Ouais, je pense que la benne est trop grosse. Elle est peut-être trop grande, la benne. Et pourtant, le Fiat est pas si grand que ça. Hein. Laisse-moi passer, toi. Et la carte est petite, hein. Hop là. Pardon, excusez-moi, je fais que passer. Je vais à mon champ. C'est étroit, chef. Ah ouais, c'est étroit, hein. C'est serré du cul. J'ai compris pour l'acide sulfurique. Bah en fait, c'est pour fabriquer l'engrais, ouais, c'est pour le dernier DLC, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors normalement, c'est par là. Hein. Non, c'était le 37, c'est au bout là-bas. Hop là, c'est avant que j'aurais dû tourner, mais j'ai pas pu tourner. Tac, c'est là-haut. J'aille là-haut. Hop là, on va enlever la TH. Roulez bourré, qui disait. Et 25 km/h avec le Fiat. Putain, qu'est-ce que ça m'avait pas manqué. Je l'avais oublié, celle-là. Franchement.
J'ai pris trop gros en benne, c'est ça que tu veux dire, Cerise? Moi, je pense que oui, et je pense que non. Je pense que du coup, ça va nous rajouter un peu de RP, parce qu'on va devoir couper les branches des arbres, ce qui peut être une réalité dans la nature. Hein. Et je trouve ça pas dégueulasse. Je pense qu'on va commencer à sortir une tronçonneuse et à couper... Je pourrais pas couper, bah oui. Si j'ai pas le terrain, je n'avais pas le droit de couper. Il va falloir absolument acheter le terrain pour pouvoir couper. Ce qui n'est pas gagné du tout, j'avoue. On va se mettre là, lui. Hop. Voilà. Impeccable. Toi, tu te coupes. Voilà. Ah. Ah, si, il redémarre. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il démarrait pas. Hop, 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 hop. Le Fiat, une belle histoire d'amour. Ah bah carrément. C'est une histoire d'amour à lui tout seul, le Fiat. Allez, viens là, toi. Hop là. La carte est pas si difficile que ça. Ah. La carte est pas si difficile que ça. Juste, elle est vachement étroite comme carte. J'ai compris, c'est la barre derrière la remorque qui est trop haute, qui accroche les arbres. Ouais, c'est le petit silo à grains, c'est ça? Pas le ça là. Le petit convoyeur à grains en fait, qui est un joue trop haute. Il faudrait que je regarde si je peux pas le baisser en roulant. Peut-être que je peux le baisser en roulant du coup. Et salut Boubou! Combien la benne déjà? La benne nous a coûté je sais plus combien. Attends, je vais te dire ça. Là elle est à 24 000 et elle fait une capacité de 20k. Et on l'a payé je crois qu'on l'a payé pas loin, hein. On l'a payé 24, ouais. 24 610 et t'avais la petite. Mais c'est la même hauteur, c'est juste que j'ai rajouté la barre, mais il va falloir que je l'enlève en fait. Il va falloir que je l'enlève et que je fasse autrement, ça peut être pas mal, tu sais. Kizo c'est américain, il lui faut de l'espace. Ouais c'est un peu ça. C'est un peu ça, il faut de l'espace moi. Faut pas mal d'espace. Non mais après la carte, ça m'empêchera pas de couper 2-3 arbres, mais je crois qu'il va falloir acheter le terrain. Et ça le problème, c'est qu'il va falloir acheter à un moment donné un petit bout de terrain pour arriver à faire ce qu'on veut. Hein. On va être obligé, hein. On va pas avoir trop le choix, je pense. Il va falloir que je fasse gaffe. J'aimerais bien reprendre FS22, mais tout seul c'est chiant. Ah ben moi bientôt en communautaire celle-là, mais. Pas encore quoi, on va faire quelques épisodes déjà en solo, on va avancer gentiment, on va essayer de se faire un peu de blé, un peu d'argent. Voilà, comme là on fait du blé là. Mais après je la mettrai peut-être en communautaire après quand vraiment j'aurai beaucoup plus de choses. Là pour l'instant déjà je galère à me faire 20 000 euros, tu vois que j'arrive pas. Déjà pas mal. J'ai 20 000 balles à faire et malheureusement j'aurai jamais assez de blé pour le faire. Tant qu'on a la moissonneuse, il va falloir que j'essaye de viser encore un champ de blé. Ça serait bien qu'on trouve un champ de blé pour essayer de s'en sortir après. Parce que là, du coup, on a le 37. Il me reste un peu de sous pour acheter un autre champ s'il y a besoin. Et je voudrais faire la mission et faire aussi. Tiens, j'ai oublié des trucs là. Ça me fait penser. Je voudrais faire la mission, mais je voudrais faire aussi le. Comment ça s'appelle ? La livraison VIP à faire, tu sais. Ça pourrait être pas dégueulasse de récupérer un peu d'argent là-dessus. Bon, là, je pourrais jamais aller plus loin. Ça sert à rien. Voilà, par exemple, ici, c'est sûr et certain que je vais couper l'arbre, tu sais. Donc, il va me falloir une petite benne, un petit tracteur, couper quelques branches, tu vois. Et dire de pouvoir virer l'arbre et de passer ça, quoi. Comme ça, on pourra passer gentiment. Les barrières, je comprends, tu vois. Les barrières, des limitations de terrain, je comprends tout à fait. Mais par contre, les arbres, il y a certains arbres, ouais, j'ai pas compris. Après, la carte est belle, hein. Étroite, mais elle est belle. Elle est bien représentative de la France. Tu reconnais bien que t'es dans un pays breton. C'est pas si dégueulasse, quoi. T'as pour 423 litres. C'est incroyable, quoi. Là, je viens de crever un pneu du Fiat. Y a pas à chier. Hop. Vroom. Et on n'est pas dégueu! Hop là! Impeccable de frein, ça décharge. Hop! Premier champ, c'est fait. C'est pas dégueu. Il nous faudrait un autre champ de blé. Mais je crois que... Et ouais, malheureusement...
Malheureusement, blé, ben on a plus de blé. Hein. Putain, il n'y a plus de blé sur la map du tout, quoi. Chier. Orge. Bon, on n'a pas d'orge. Oh. Colza. On a le 7 en colza. Ben, il est loin, lui. Et nous, on est là. C'est quoi, le 30, c'est du soja? Ah oui, c'est du soja. 31, c'est de la luzerne. Ça sera pour les vaches, c'est sûr. Ça va être short. Ça va être short de s'en sortir. La Bretagne n'est pas en France, Schizo. Lol. Non, non, elle est en Allemagne. Sur ces belles paroles, bien sûr. On va se laisser là. Je vous fais des gros bisous, YouTube. À la prochaine, au prochain épisode. On va essayer simplement de... Bah, la mission, je pense que ça va être difficile de la faire en VIP. Mais on va essayer simplement de pouvoir... de pouvoir voir comment on peut s'en sortir pour la suite. Je vous dis à la prochaine, les schizos. Ciao, bonsoir, ciao, ciao. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez.